Dans Demain nous appartient sur TF1, Aaron et Nord découvrent la vérité concernant Victoire tandis que Philippine s'amuse de Victor. De son côté, Raphaël culpabilise alors que Loïs demande Bart en juste noce. Mercredi 22 novembre 2023 dans Demain nous appartient. L'inquiétude monte à l'hôpital concernant l'état de Victoire. En effet, Aaron annonce à Georges et Amel qu'il ne sait pas quand la médecin se réveillera, ni si elle sait ne sortira sans séquelles. De son côté, Nour met le doigt sur ce qui pourrait être la cause de l'état de la fille de Sandrine. Ainsi, avec le compagnon de Lisa, elle repère plusieurs traces de tasé sur le corps de la jeune femme. Cette fois, si est-il sûr, il ne s'agit pas d'un accident. Au commissariat, Aaron explique avoir vu la veille un homme étrange à l'hôpital qui cherchait Victoire. Retrouvant les images, Karim et Nordine concluent qu'il s'agit de Valère. Malheureusement, leur découverte reste lettre morte car le jeune homme est introuvable depuis plusieurs jours. L'ex d'Anna demande alors à Roxane de trouver des proches sur ses réseaux sociaux pour trouver où le supposé agresseur pourrait se cacher. La policière finit par trouver quelqu'un. Point Demain nous appartient en avance, Philippine et Victor bientôt en couple. Philippine fait un retour en grâce auprès de ses enfants. Tandis qu'à un nouveau lycée Violette remercie Bastien de l'avoir incité à voir sa mère car elle a passé un bon moment, Damien retrouve sa mère au Spoon où une certaine complicité semble apparaître. La mère de famille débarque ensuite au domaine viticole de Victor pour le remercier de l'avoir aidé durant sa panne de la veille. S'ensuit un échange, puis une balade où la séduction semble de mise. La femme propose même de boire un verre ensemble au Spoon le soir même. Se retrouvant, le père de Timothée est mal à l'aise face à Philippine. Il lui explique ne pas être intéressé amoureusement parlant par elle. Elle feint la déception avant de lui faire comprendre ne pas être dans cette volonté non plus, mais plutôt intéressée par son domaine. Victor en ressort honteux et mortifié. La mère de Violette, elle, s'amuse. Demain nous appartient en avance, Raphaël et Luna culpabilisent, Camille déféré alors que Luna accompagne Dorian au lycée, la danseuse explique avoir vu de nombreux messages haineux sur les réseaux concernant Camille, Elisa et Zedine, qui a réagi à cette intrigue. La jeune femme culpabilise. Ils auraient dû être honnêtes avec elle. De son côté, Dorian n'est pas prêt à entendre ce discours et s'insurge. Elle a laissé accuser sa mère et si est-il impardonnable. Au cabinet d'avocat, Raphaël s'impatiente. Elle aimerait savoir ce que la justice a décidé pour sa fille. Même si Martin tente de la rassurer, sa compagne saine veut de ne pas avoir vu le mal-être de son aîné. Plus tard, la mère de famille incite sa fille à arrêter de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux. Les deux jeunes filles s'apprêtent à rejoindre Maud quand Martin arrive, déconfit. Il doit emmener Camille. Elle est déférée devant le juge. Raphaël la laisse partir, désespérée. Demain nous appartient en avance, Héloïse et Bart bientôt mariés. Le matin, Bart trouve un ticket de la cafétéria de l'hôpital dans les affaires de Loïse, Aliénor Bouvier qui s'est inspiré d'Hitchcock pour son personnage. Il s'insurge quand elle lui explique continuer à aller voir sa sœur. Elle a tenté de les tuer. Mais la jeune femme réussit à calmer la tempête. Pourtant, la jumelle maléfique est en panique. Elle a peur que Victoire se réveille et reprenne ses analyses sur Adèle. Héloïse explique alors à sa sœur, inconsciente, qu'elle doit trouver une solution.
Elle va devenir Adèle pour toujours et sous-entend qu'elle pourrait la tuer. Le soir venu, la jeune femme met les petits plats dans les grands. Bart a la surprise de retrouver son appartement jonché de bougies. Héloïse explique alors à son compagnon qu'elle a de la chance de l'avoir et qu'elle veut passer sa vie avec lui. Elle finit même par le demander en mariage. Bart est bouche bée.